Et que je me suis assise, et que j'ai fait la prière, et que j'ai touché mon cou, j'ai senti que ça a diminué tout d'un coup. C'est pour cela que je remercie le Seigneur. Et je remercie aussi le Seigneur qui a fait Dieu. La contact de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Il ne continue. Tu vas te tenir debout. Il ne continue. Amen. Nous allons nous arrêter amplement pour les témoignages. La voix du Dieu. À Calassé, comme la pierre. Pour suivre le programme. Amenez-nous par le paquet. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je ne suis pas fatigué de l'acclamer. Acclamez votre pouvoir. Encore plus fort, je suis de l'acclamer. Yeah, 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 yeah. Yeah.
Je reprends, ok, bon.
Le cellulaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore? Alléluia. Amen. Je ne sais pas de vous. Un jour, on se lève. Amen, un jour. On se tient debout tout le monde. Amen, un jour. On se tient debout. Amen, un jour. On se tient debout. Tiens pas les coups. On va vivre un jour. Alléluia. Et la fille. Alléluia. Amen. 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 Il est le maréchal de la brigade d'Israël. Mais le il est encore présent parmi nous ce soir. Nous allons lui. Attends. Avec un tonnerre d'applaudissements. Tu es tellement réel. Et nous croyons tellement à ta fidélité. Le chemin, la vérité et la vie. Je salue ta présence. Merci, notre Dieu, de nous bénir au travers de ta présence, Jésus. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous croyons ta présence, Seigneur. Nous croyons que cette nuit, tu nous feras du bien. Merci de restaurer. Merci de guérir et merci de nous faire du bien. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Oh Alléluia, ta présence, Jésus. De nous faire du bien, Jésus. Guinawele, Okamo, Asile, la Guinawele, Guinawele.
Yeah.
Il y avait d'abord les ténèbres à la surface de la terre. Les ténèbres à la surface de la terre. Et Dieu va séparer. Les ténèbres avec la lumière. J'ai vu comme un troisième jour. Dieu a pris combien de temps pour créer ce monde-là? Amen. Nous allons avoir beaucoup de mystères entre nous. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Amen. C'est le travail des prophètes. Je vais vous montrer beaucoup de mystères. Amen. Je vais vous parler de l'importance de l'huile. Vous allez comprendre. On s'amuse pas à ça. Quand vous rentrez dans chaque maison d'un peuple, d'un juif, il y a lui. Tous les matins, les juifs, ils laissent ça dans la bouche. On est parti. Amen. Le soir, midi, il naît. C'est les meilleurs dans le monde. Ceux qui sont puissamment riches sont les juifs. Ceux qui sont dans les mystères. Pour posséder ce monde, il faut avoir des clés, des mystères. Amen. Dieu dit vous allez dominer. Il ne m'a pas demandé d'avoir monté dans la vie. Comment faire pour dominer? Et c'est ce qu'il m'a demandé cette nuit. Il faut maîtriser ton environnement. Là où tu es, il faut faire une différence. Il faut te voir. Il doit sentir qu'il y a quelque chose. Il ne manque pas. Alléluia. Il va t'enseigner beaucoup de choses. Amen. Les jours de la série du mois. Du premier jusqu'au 9, c'est des jours à ne pas négliger. C'est des jours qu'on vous enseigne pas, c'est des mystères. L'enfant fait combien de jours dans le vent des mains? Le chiffre 9, c'est des jours. Le diable n'a rien crié. Les gens vous attribuent tout au diable. Mais tu chauds le diable. Mais tu chauds le diable. Non, le diable a une connaissance des choses. Il a cette grande connaissance. Il a pas mal. C'est tout. Mais bon. Tu n'as rien créé, diable, c'est une question. C'est parce qu'il maîtrise le mystère. Quelqu'un il fait, ça marche. Ça marche. Il faut maîtriser. C'est pas une question, mais quand tu maîtrises les choses, ça va marcher. C'est pour ça qu'il y a des choses que je vais vous montrer. Il y a des choses que je ne vais pas vous montrer. Et tu ne pourras pas comprendre. Et si tu comprends, tu seras dangereux. Amen. Amen. Le premier jour jusqu'au 9, je vais te montrer ce que tu dois faire. Amen. Là, tu finis. Viens verser lui là dans ton village. Tu es quelqu'un de ton village. Comme moi. Là, c'est le bien matin, les fous. On est tous les deux. Comme on apprend beaucoup de choses. Tu ne sais pas qui est ton sorcier. C'est des choses que je dois vous apprendre. Donc vous posséder l'environnement. Parce qu'on ne doit pas jouer avec toi. Beaucoup de choses que tu dois connaître. Ce n'est pas une question de Jésus seulement. Jésus est des choses que tu dois maîtriser. Amen. C'est ça que Jésus dit. À mon nom, vous avez montré les gens malades, ils seront guéris. Si quelqu'un parmi vous est malade, vous avez des anciens, les anciens prient pour lui. En loyant Dieu. Il parle de l'huile. Il y a beaucoup de choses que je vais te montrer. Amen. Ne jouez pas avec cette huile. Je vais vous montrer parler de l'importance de l'huile. C'est dans le testament, l'huile. Dans les présents. C'est toi qui fais. C'est moi qui ne connais pas. Quel est le petit plaisanteur joueur. Même tu as fait un marché, tu fais commerce. Je vais te montrer comment tout l'argent doit venir chez toi. C'est le travail des prophètes.
arriver pour. Amen. Amen. Il y a des choses que je vais t'apprendre. Oui, reconnais le tien. Alléluia. Amen. Il y a des choses que je vais t'apprendre. Oui, reconnais le tien. On va consacrer une maison. Mais je vais parler à une maison. Mais je sais pas. Parce qu'il y a des esprits dans les maisons. Oui, qui a construit, amen. Celui qui habitait la maison. On ne sait pas quel Dieu qui priait. Et là, comment vous voulez. Alors qu'il évoque le Dieu, on la présence céleste. Quand tu viens dans une maison, il faut qu'elle soit sanctifiée. Si on ne s'est pas sanctifié, c'est des malheurs que tu peux avoir dans cette maison. Donc on ne prend pas une maison comme ça. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu dans la maison. Si tu n'as pas la présence de Dieu, n'ajoute pas le malheur. Donc, là où tu n'es pas, il y a le malheur. Donc, il y a des choses que tu dois apprendre. Il y a des choses que tu dois connaître. Pour posséder ce monde, tu dois avoir des grandes connaissances. On dit amen. Je vais vous parler de libation. Je vous ai dit, dans la Bible, la libation, c'est l'eau. Nos parents, c'est clair. Avec mon nom, je vais vous montrer celui qui a fait ça. Et comment il a été béni. Vous savez qu'il y a des anges. Vous savez, la Bible dit que le Dieu que nous prions, il est le Père des esprits. Amen. Il a fait de nous des dieux. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes des dieux. Vous savez, tu peux ordonner pour que ça arrive. C'est parce que tu ne sais pas. Le Père même dit tout ce que tu t'es mis, c'est parce qu'il y a toi. C'est parce que tu ne sais pas. Amen. Je vais t'éclairer sur beaucoup de choses. Quelle vibration, comment parler? Il qui permet à la terre de rentrer en mouvement. Nous voulons le lever. Donner ta bénédiction. Quels sont les jours du mois où on peut faire ça? Nous allons le lever. Tout ça, on ne vous accepte pas. Amen. Jésus a fait 40 jours après sa résurrection. J'ai fait des gens avec vos bénédictions. N'est-ce pas? Ceux qui connaissent la Bible, ça c'est. Oui, quand il est mort, ressuscité, il a fait 40 jours avec ses disciples. Tout ce qu'il a dit à la Bible, dans la Bible. Parce qu'il y a des secrets. Oui, c'est pas tout qu'on montre aux gens. Et pour quoi? Dis amen. Amen. C'est pas tout qu'on montre aux gens. Et pour quoi? Les choses spirituelles. Et pour vous, comment? C'est une bénédiction. Et nous parlons. C'est ça que la Bible dit. C'est pas tout qu'on montre. Et pour quoi? Ça dit, je ne donne pas les choses faites aux chiens. Et il y a des gens. Vous êtes chrétiens, vous êtes les hommes les plus dangereux. Allez, le petit gars, quoi? Pour moi, pour moi. Amen. Amen. Je vais t'équiper cette nuit. Et nous devons que tu sois un danger pour le royaume de Satan. Alléluia. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Et si quelqu'un fait des fétiches contre toi, alors contre lui. Alléluia. Amen. Choses que Dieu m'a appris cette nuit. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a montré. J'étais dans le secret en prière avant de pleurer. Dis à quelqu'un de te montrer. On nous enseigne comment aller au ciel, c'est vrai. Mon nom est écrit là-haut, là. C'est vrai. Amen. Mais nous devons posséder cette terre. Mais avec nous, nous devons posséder. Pour posséder cette terre, Amen. Il faut aller dans les mystères, il faut maîtriser cette chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chaque territoire est contrôlé par un esprit. Amen. Chaque territoire est contrôlé par un esprit. Et la Bible t'a mis au-dessus de tout esprit. Avant d'entrer sur un territoire, il y a quelque chose que tu dois faire. Comme ça, tout le monde, les esprits, reconnaissent son autorité. Amen. Amen. Les choses qui vont apprendre. Le nom de Jésus, c'est vrai, c'est un puissant nom. Ça ne suffit pas. Mais il faut régler certaines choses. Et c'est ce que Jésus dit. Quels sont les démons? Ne sois que par le jeûne, un peu de vérité et la prière. C'est vrai qu'il y a le nom de Jésus. Jésus est l'esprit. Quand tu n'as pas gêné, tu ne peux pas sortir. Et un peu de il y a aussi des actions. Tout ce que tu n'as pas fait, les choses ne peuvent pas se régler. Il y a beaucoup de choses que je vais t'apprendre. Oui, amen. Il faut que les gens aient peur de vous maintenant. Je n'entends pas bien la main. On fait des gars qui sont aromagiques. Aromagiques. Je ne sais pas comment vous.
Vous ne voyez pas quand vous parlez, parce que les choubrières, ça tente, tout a détruit. De toute façon, les gens exposent ça. Mais ça, d'autres personnes. L'élection dit si c'est choix. Il faut qu'on les mange. Il y a un livre. Amen. C'est pas tout le monde qu'on mange. Mais quoi qu'il y a un livre. Amen. Amen. Dieu à quelqu'un, c'est pas tout le monde qu'on mange. Amen. Je vais faire les toits, Shibuya empoisonné. Amen. Qu'est-ce qui a été fait? Amen, maintenant. Et qu'est-ce qui a été dit sur toi? Allez, prenez le bon, ou que les sorciers aient peur de toi. C'est Dieu, parce qu'on est là. Vous savez, quand on finit le ministère, on finit l'école. Lui, à 15 heures, bien. La partie la plus importante, démarrer le ministère, c'est la consécration. Et la rassure. On consacre comme pasteur. Si on n'a pas fait ça, il y a problème. Oui, oui. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Là, mais il faut que tu sois consacré. Mais la rassure, le travail. Sinon, si tu n'es pas consacré, tu as tous les problèmes. Et Jésus-Christ, il a fait de toi son fils, c'est vrai. J'ai dit, mais est-ce que tu as été vraiment consacré? Mais est-ce que cette connexion a été créée? Est-ce que les liens ont été brisés? Pour te connecter au peuple d'Israël. C'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais consacrer ta tête. Vous avez besoin de connaissances. Avant d'aller par email. Amen. Amen. Vous avez besoin de connaissances. Et là-bas, il y a. Dieu va vous créer les diamants. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Comme Jésus dit. J'ai dit là-bas. Le Saint-Esprit. Bon. J'envoyais l'Esprit. Et là, vous recevez une puissance. Il y a un tête de au pouvoir. C'est une puissance. C'est pas parlant en ce moment. Il y a une puissance. Il faut avoir l'autorité. Et quand on peut y a tout qui passe. Et quand on recevait les lieux. Et quand on fait, c'est ce que je t'ai montré. Mais comme moi, voilà. Amen. Amen. Il est quand même possédé. C'est quand même bon. Alléluia. Amen. Tu as quelqu'un, tu es puissant. Parce que la Bible dit que Dieu aimerait, Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand tu n'es pas puissant, tu n'es pas content. Parce que tu es l'ambassadeur de celui qui est puissant. Amen. Amen. Vous savez que l'apôtre Paul dit, la prédication ne repose pas sur les discours seulement. Il faut pas écouter. C'est une démonstration. Il faut pas aimer. La puissance. Et la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous devez effrayer le royaume des diables. Et voilà, après, je vais le faire. Pas peur, ils vont se faire peur. Après, c'est le royaume. C'est quoi le temps? Tu ne fais pas peur, il va te faire peur. Là, c'est bon. Un tas, Amen. Amen. Moi, je les effraie chaque jour. Amen, ça va bien, les je les ménage chaque jour. Et je veux là. Je suis leur patron. Amen, là, Amen. 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 Je connais mes droits. Amen. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage. Le à notre esprit. J'ai témoignage de l'Esprit. Que le diable ne peut rien contre moi. Révélation qu'on a de la part du diable de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Votre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quel est le témoignage que nous sommes enfants de Dieu? C'est ça le problème. Amen. Amen. Vous devez tout maîtriser. Et là, il me dit vous. Dis Amen. Amen. Si un marché, tu dois avoir ça. Amen. Je vais te montrer comment on fait pour avoir les marchés. Amen. 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 Même si ce n'était pas pour toi, et de même, ça doit changer de peuple. Le mari qui a également marié, et puis tu te trompes. Je vais te montrer comment tu vas devenir fidèle. Et de même. C'est pas pour jouer toi. Vous savez ce qu'on appelle l'alliance? Ah, il a un moment. C'est fini. Oui, une alliance, tu portes à une dame. Non, 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 non. Dis aux gens. Tu
pouvez mettre ta voix ici, mais le jour. Les petites, elles sont très dangereuses. Oui, putain, encore un côté. Elle a gâté la tête du vieux père. On s'en connaît un jour, on est venu. Mais la vieille mère, c'est plus pas bien de lui. Bon, on va dire, occupez-vous de vos maris. Faites des pédicules, les manicures. Ah, ok, ok, ok. Amen. Amen. Tu dois t'asseoir ta femme. Et alors, c'est du bon. Viens, bébé, chérie. C'est maman. C'est vous qui envoyez les esprits chez vous. Ah, là, vous garantez. Bien. Quand tu es légalement marié de femme. Et que vous avez dit que tu vas la tromper. Et voilà, je vous dis que c'est moi. Je vous dis que c'est moi. La vérité, c'est les démons que tu envoies. C'est tout ça, Satan regarde, le diable. Mais tu es Satan. Marie ta crédibilité. Marie, tu as brisé l'alliance. Amen, ben on le salue. Tu as décidé fidélité à une femme. Et il y a dehors, il ne peut pas être un plaisantin. Vous m'avez dit quoi? Il t'a écouté, dit oui. On peut y avec elle. Et quand tu t'élèves, tu voulais briser l'alliance. Et bien, ça fait rien. Oui, elle est péchée, il y a toujours une conséquence. Quand tu fais, il y a même une conséquence. Amen. 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 Quand David est sorti avec Bathsheba, mais David est sorti avec non seulement quand la fin est morte, non, oui, Dieu non. Dit, le péché ne s'éloignera pas de ta maison. Le péché ne peut pas jouer à ça. La sexualité, là, quand tu es marié, je vous dis là-dessus, parce que c'est le problème dans les maisons. Quand tu trompes ton mari, il y a des femmes aussi qui trompent le mari. C'est de la sorcellerie. C'est vrai que pour l'homme, c'est... Mais quand une femme tombe, c'est grave. Non, quand vous dites que c'est quand même... C'est pas ça? Oui. On me pose la question, c'est grave, comment ça là? C'est vrai. Si un garçon vient vers toi, si tu n'as pas dit non, tu n'as pas dit oui, est-ce qu'il n'y a pas de... Hein? Donc tout se passe autour de toi. Même s'il met l'argent, qui dit non. Il dit non. Demandez au garçon. Lorsqu'il commence, constate que sa femme le trompe. Ok, bien, je vais prendre ma chef de tuer ça. C'est pas bon. Quand tu vis sur le toit avec une femme, tu les esprits que tu envoies. Vous dites non, sorcier, mais tu dis à moi, sorcier. Reste ton sorcier. Parce que tu as brisé l'alliance. Tu vas embrasser une fille chérie. Et tu reviens à la maison. Et puis tu dis chérie encore. Après, tu dis non, les sorciers m'attaquent. C'est toi-même que tu as sorcier. C'est toi-même. Oui, bon, voilà. Amen. Amen. Là, tu m'as bien saisi. Amen. Et les esprits que vous envoyez contre vous, quand vous dites amen, les esprits. Amen. Nous sommes dans un monde où les gens provoquent. Les filles provoquent les gens. Et t'as bien, voilà. Si tu veux, il y a des gens.
Tu vas tout tomber. Hey, la fumée, quand tu veux, tu viens te provoquer. Oui, hein, quand tu veux, tu viens te provoquer. Oui, quand tu veux, tu viens te provoquer. Oui, quand tu veux, tu as vu là. Oui, oui, oui. C'est quand ton mec, tu veux que tu vas faire ça. Et tu vois, il vient. Tu quand ça vient, tu vois. Et quand il y est. Amen. C'est comme ça. Oui, là. Ça te surprend pas, tu vas mettre la fumée. Et voilà, mais il y est. Tu allais voir ça. Mais même public. Elle, tu connais tes intentions. Il y a. Il y a trop de sorciers dans les parages. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas agi puissamment dans ces temps-ci. Derrière l'esprit du discernement. Amen. Amen. Et nos foyers sont menacés de divorce. Mais ainsi, il y a un véritable amour. Tu allais déjà dire amour. Mais c'est l'amour dans votre foyer. Tu allais déjà dire ça quelque part là-bas. Et même nous avons un foyer. Amen. Et puis les filles, quand tu couches avec elles, c'est fini. Tu oublies ta vie. Oui, non, mais un peu de gars. Ami, ah oui. Tu peux pas venir jouer moi. Non, je suis désolé. Ni moi. Tu peux pas venir jouer moi. Ni moi. Laisse t'amener dans ma sorcellerie. Ah, là, il est venu. Quand tu viens, pas mal, il doit y rentrer. Maman, t'es fâché. Bra, bra, bra. Gâte pas. Bra, 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 il rentre. Quand tu le touches, t'es fâché. Et comment beaucoup, quoi. C'est une nerve. Oh, quoi, quoi, il est quel parti? Oh, c'est un petit là. Oui, yo. Oh, il dit la chose là. Il dit la chose. Elle dit la chose. Vous l'avez acclimatisé. Cela va continuer. C'est la petite là qui l'a attaché. Oui, yo, pardon. Amen. Amen. C'est ça. C'est bon. Ah, c'est bien. Yeah, 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 yeah. Une fois il y a l'infidélité dans un couple, le, voilà, okay. Vous allez le faire. Allez là, les esprits sont là. Le, vous dites, oui. C'est fini. C'est vrai qu'ils ont pris pour vous. Okay. Mais essayez d'arranger ce domaine, ce côté. Okay. Ben, oui. Et comment vous pouvez régler ça? Et parce que Satan a son territoire. C'est le et Dieu a son territoire. C'est oui, il y a une loi de Dieu. C'est quand tu as décidé de vivre une femme, il faut la respecter. Sinon, si tu ne respectes pas ça, mais tu brises l'alliance. Mais moi, je suis allé. Il est dans les sorciers de mon village. Que les sorciers t'attaquent. Vous accusez vite les sorciers. Un que les sorciers t'attaquent. C'est ça. Mais comment? Le sorcier peut t'attaquer. Pourquoi vous avez réussi quelque chose? Il a voulu le faire. Non, 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 non. Respectez les femmes. Rendez-vous les femmes, respectez vos maris. Amen. 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 Parce que vos bouches là, c'est comme là sur le prophète. Amen. Vous parlez mal. Le monsieur a fait quelque chose. Vous allez prendre l'affaire pendant une semaine. Et je vais faire une seule femme. Mais il te rappelle la maison dans les biens. Oh, monsieur, tout est venu. Votre affaire ne finit pas. Ah, oui, eh bien. Tu as démarré une affaire. Et je suis seul pendant deux semaines. Mais je suis seul. Quand il y a dans la maison, tu l'attaques. Quand il y a dans la maison, tu l'attaques. Si il va aller dans un endroit où on ne parle pas trop. On est dans un endroit où tu l'as petit, on ne parle pas trop. Mais il y a bien, on est un peu loin. Elle a touché sa tête. Okay, non, non. Il a oublié de toucher. Okay, on a fait, on a fait, il finit pas. Mais non, okay, non. Amen. 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 Elle n'est pas même mariée, elle est poudrière. C'est-à-dire que là, c'est poudrière. Non, 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 non. Il y a été dans le temps de cette maison. Ma chère poudrière. Mais quand on a fait, ça vous donne. Mais nous, on n'a pas donné force. Mais vous avez donné ça. D'accord, il y a une idée. Démarque. Désarmez vos bouches, vous allez voir vos maris sur la lèvre. Amen. Amen. Désarmez la bouche, vous allez voir les maris sur la lèvre. Comment on appelle l'agence là? C'est DDR. ADDR. ADDR. On va vous amener au DDR. Amen. On va vous amener. Bonsoir. Amen. Nucléaire. Les femmes quand elles parlent tout de suite, non, 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 les femmes vont la taper. Et les femmes, elles te gâtent, tu parles du cœur, elle va dire deux mots. On va dire, les femmes attaquent, les femmes vont la taper.
Elle s'est âme chimique qu'elle a reçu. Garçon n'est pas là où il y a trop de bruit. Il y a une lampée. Hein? Garçon a dit, c'est vrai. Vous voyez, il dit, c'est vrai. Amen. Amen. Le secteur le plus attaqué, ce sont les foyers. Amen, amen. Quand vous écoutez très bien les sorciers, vous criez, vous attaquez, vous allez créer une atmosphère malade entre monsieur et madame qui peut attaquer. Le président. Parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas suite à colère. C'est un principe biblique. Donc quand tu vas dormir colère, c'est fâché. Fâchez-moi jusqu'à ça ne finit pas. Le sorcier va t'attaquer. Avant d'aller au lit, réconciliez-vous. Avant de dormir, réconciliez-vous. Parce que tout se passe dans la nuit. Ce qui va t'arriver, c'est pas la nuit. L'arrestation de Jésus s'est faite dans la nuit. Et Dieu s'est servi de la nuit pour faire le jour. Donc tout part de la nuit. Même quand l'âme doit coucher, c'est la nuit. Tout part de la nuit. C'est ça que la Bible dit. Le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il ne faut pas garder les choses. Il y a quelqu'un de ta famille. Avant de dormir, réglez ce problème, s'il vous plaît. Vous allez garder ça. Ça peut être une nuit, c'est fini. Et quand il dit, il ne faut pas trouver ta nuit. Si tu es là, commence à travailler. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est quelle affaire qui finit pas. Dis à quelqu'un. Amen. 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 C'est quelle affaire qui finit pas. Ça finit pas. Qu'est-ce que c'est ça? Il peut me faire mon âme. C'est lui. Il peut me faire mon âme. Il peut que le soleil. Ne couche pas. Et là, sur ta colère. Amen. Ça devient une porte d'ouverture. Et il y a une qui. Amen. Chacun d'entre nous a des faiblesses. Comment parler? C'est vrai que la Bible dit, vous êtes fort. Que la haine peut être faible. Le faire. Après, je pense pas que ton mari est faible. Il faut le soutenir. Et là, il faut l'aider. Alors, il faut pas l'enfoncer. Non. Faut pas avoir un problème. Il faut l'enfoncer. Non, ta femme est faible. Et je vais la soutenir. Comme ça. Vous êtes fort, si tu penses que tu es fort. Que toi, tu ne fais pas la même chose que lui. Ça veut dire que tu es plus fort que lui. Il faut le soutenir. Parce que l'amour supporte tout. Il est bon. Le principe, c'est l'amour. Est-ce que tu l'as vraiment aimé? Si oui, tu dois combattre l'esprit. Tu l'aideras dans la prière. Tu te sois délivré. C'est tout. On l'expose quoi? Moi, je veux tout. Est-ce que ma mère s'est dit? Toi, tu l'exposes. C'est ton problème. Moi, tu prends ton problème de foyer. Tu vas t'aider dans la famille. Tu t'assois avec tes parents. Tu parles de ton foyer. C'est fini, c'est bon. C'est fini. Ça, tu vas marcher sur ça. C'est ça que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il marchera. On est là, 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 jamais exposé la famille. Non, ta famille doit pas savoir ce qui se passe. Non. C'est ça le problème aujourd'hui. Tu es exposé ton foyer. Il ne arrangera jamais. Non. Faut jamais exposer ton foyer. Faut pas aller dire à ton foyer, tes parents, ce qui se passe dans ton foyer. Il est chrétien. Il est plus que j'ai envie de parler, voilà. Mets-toi dans ta chambre, puis je parle. Parle à Dieu seulement.